vous allez revivre tous les instants avec la complicité de Héritage Télévision et Chris Productions et pourquoi pas, bien sûr, tout l'amour que vous nous portez pour vous présenter cette explication qui est dans... Et voilà, ce sera donc parti direct avec ce centre très lointain de Dark Kamangou. Récupéré à l'instant par Kazemaba sur le premier crochet. Que va-t-il faire? Ça va bien sur sa peau de roue. Attention! Et voilà, ça commence donc comme ça et ça démarre sur déjà cette première action. On sait pourquoi Christian Bracconi n'a pas aujourd'hui misé sur un attaquant de pointe. Attention! Et c'est la minute de l'ouverture du score à la première minute de cette explication. Ça démarre sur un chapeau de rouge, j'étais le premier à dire tout à l'heure. Et qui est à la porte? Et qui est, bien sûr, le buteur Patrick Mangou, dit les a ouverts. Ça s'embrasse, les accolades sur le nom de toujours que c'est fou, ça démarre. Des émotions dès le début. Et puis un match d'esprit. On sait déjà que Bracconi a misé sur l'esprit de Patou Kamangou. On le sait qu'il ne finira pas la rencontre, mais il est important quand il est présent. Il sait utiliser le ballon. Moi, j'ai du mal à analyser, puisque même du côté de Vita Club, on reste dubitatif. On essaie un tout petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'est Loupopo qui vient de marquer multi-minute. Et ça, ça s'annonce tout simplement chaud bouillant pour cet après-midi. Et dans les gradins, ça bouillant de la première minute. Un tout petit peu favorable, comme la précédente. Il y aura charge illicite. Là de Magoma sur Kazema Basso au sein de l'Académie Club Rangers. Cette présence de 5 joueurs dans le grand rectangle. Attention, arrêtez! Oh! À l'autre but! Quelle folie! Quelle folie du sportif! Quelle folie! Ça commence et ça démarre du 5 minutes et 2 minutes! Chaque occasion et 2 minutes! Quel match! Quel match! On n'a pas commenté le plus de 5 ans maintenant, je crois que c'est fou. Quelle folie ici au stade Frédéric Ibassama Lumad Yakunia. Laisse-moi vous dire que je suis sans mots. Je n'arrive pas à comprendre comment cette défense elle est totalement prenable comme ça. Je sais qu'il va se remettre, je sais que Vita Club va se remettre, mais là, ce n'est pas comme ça qu'on avait envisagé le scénario. Même les plus fous ne pouvaient pas imaginer ces 2 buts à l'espace de 5 minutes. Eh bien, Patou Kamangou montre qu'il est le Zaou. Voilà le Zaou. Oui, ici au stade. Qui fait brûler tout le monde, lever tout le monde. Et les foules, on en compte désormais. On va dire que c'est le doublé le plus rapide de l'histoire du football. Dans les 2 premières minutes du match. Le club n'a pas encore dit son dernier mot, il y a encore assez de temps. Et Lidepo qui va repartir en avant. C'est une bonne gestion de la défense. Alain Katerega pour l'exécution, le centre, attention la tête. Ouf. Moscovitz, mais aussi Chimino dans la surface de réparation. La surveillance, attention, qui a la réception, la tête! La combinaison, la tête! Il va le mettre dans le paquet, et la bonne sortie de Moukara. Allez, c'est pas fini! C'était un centre-tire! Et c'était en tout cas bien négocié par Magomba qui a failli surprendre, même si la trajectoire du ballon était bien en direct. Pour ne pas espérer quoi que ce soit. Et dégagement, loin des vents. Et une tête de ce Mouillon Moulombo dans les milieux de terrain. Que va-t-il faire? Il va passer à Massamba. Massamba qui va-t-il faire en un contre un. Massamba l'a passé. Massamba. Le régal de Massamba qui passe comme s'il n'est pas vu par les défenseurs pour tromper tout simplement la vigilance de Mavangou. L'ancien capitaine Nathalie Doumba, attention, peut-être là la réduction du score. Qu'est-ce que il aura manqué? Contre, peut-être la frappe, il va armer, non, laisser. Attention, on détend. La descente sur terre. Attention, peut-être les buts là. Et voilà, il va arriver à ses buts. Et c'est Kikoma Mozinga. Tous les péchés du FC Saint-Toulon, le popo. À moi, d'encaisser. Sinon, on sait. Alors que l'arbitre va bien sûr arrêter la partie, Jean-Claude Seffou. Une folle partie. Moi, je pense que le popo vient de tenir enfin un match référence. L'air Bracconi, je le disais. L'air, j'ai un très grand plaisir de vous retrouver très prochainement avec Chris Production, bien sûr, pour vous produire d'autres explications.